Démarrer, elle enregistre vraiment, bébé, ou démarrer, elle enregistre vraiment. Démarrer. Salut l'équipe, comment ça va? Eminem a sorti un nouveau clip qui n'est pas si nouveau que ça. Mec, j'ai mis ma casquette de Retour vers le futur parce qu'on retourne en 2009. Il avait sorti un son qui s'appelait Crack Bottle. Yeah, I speak English, you know. Ouais, bref, voilà. Ouvre une bouteille, quoi, en français. Et il avait fait ce son avec Dr. Dre et 50 Cent à l'époque, en 2009, donc. Et apparemment, il avait clippé. Ils sont pas dedans, si j'ai bien compris, mais il avait fait... Il avait fait un clip, quoi, il l'avait réalisé, mais il l'avait gardé sur le disque dur, il l'avait pas sorti. Et là, en fait, il a sorti un nouvel album que j'ai quelque part, parce que je l'ai acheté. Tu connais, voilà, Eminem, c'est du vrai rap, quoi, tu vois. Putain, il est où? Attends, j'arrive. Et voilà, il est là. Je sais pas ce qu'il va bien voir avec la lumière et tout ça, ce que youtubeuse beauté, ça change rien. Bref, c'est juste, en fait, un best-of. Mais un putain de best-of, et ça fait plaisir. Deux CD. Ouais, je fais la promotion, putain, c'est quoi, ça? C'est Shady... Shady Records et tout, faut me payer les gars là. Hein. Clairement, un son de 2009 d'Eminem, c'est connu, c'est écouté, réécouté, réécouté. Et il a sorti en fait ce clip pour la promotion, on va dire, de l'album, vu que le titre est dedans. Mais pourquoi l'avoir pas sorti avant? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça n'allait pas? Est-ce que il y avait une petite embrouille? Est-ce que je sais pas du tout, franchement. Mais bon, bref. J'arrête de parler, l'introduction elle est trop longue. Donc j'arrête de parler, on regarde ça ensemble. Abonne-toi, like la vidéo, tu connais bien sûr, ça fait super plaisir. Merci du soutien pour ceux qui le font, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon allez, j'arrête mes conneries, on regarde ça ensemble. Eminem, Dr. Dre. Alors, ok, déjà c'est l'ancien format un petit peu plus... Les chicots, et mon dentiste qui me dit que moi, il y a du travail. Toi de ma gueule. Ça, ça a du travail. Ça, c'est du travail. Oh! Bah voilà. Bah voilà. Putain. Je sais que je vais kiffer. Slim Shady. Oh. Don't act like a snobby model, you just hit the ladder. Uh-oh, bitches hopping in my Tahoe. Got a rotten shotgun and no, not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this building, not that many. Pa-pa-pa, transition vraiment stylée, surtout pour l'époque. Le 313, le 313, c'est le code postal de Détroit. D'où vient Eminem? Pour ceux qui ne savent pas, tu vois, j'en profite. Ceux qui le savent déjà, ils vont me dire, ah, c'est bon, on sait. Il le met dans tous ses sons, dans tous ses clips, dans tous ses, voilà, toutes ses interventions. Il place son blaze de Detroit. Oh! Attends, il n'y a pas les sous-titres? Parce que je t'avoue que frérot, moi, l'anglais, je le lis un petit peu pour comprendre. Et vocalement, Eminem, il débite, quoi, tu vois. Sous-titres, bah, c'est activé. Bon, il doit pas avoir les sous-titres. Tant pis, on va faire comme ça. Ça, c'est les paroles? Est-ce que c'est les paroles qu'il écrit? Qu'est-ce que c'est? En gros, il est en prison, mais ouais, c'est ça, c'est les paroles. Dédoublement. Ah là 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 là, Eminem, il a un flow lui aussi. C'est fou, hein. Franchement, je sais que c'était l'un des rares rappeurs blancs des États-Unis. Et franchement, il bute. Eminem, il est très 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 fort. Every verse, every line, as simple as nursery rhymes. It's elementary, the elephants have entered the room. I venture to say with the center of attention, it's true. Not to mention back with the vengeance. Et le truc qui est bien, désolé, je coupe, mais le truc qui est bien, c'est que ça fait du bien. Moi, je suis vieux, ça se voit, tu vois. Et ça, c'est du rap que j'écoutais à l'époque. Donc, bon, ce sont les 2009, ça a 13 ans. C'est pas si vieux que ça, j'écoutais du rap beaucoup plus vieux que ça.
Et je trouve que c'est bien, tu vois, ça a une autre fraîcheur, ça a une autre... Le rap de maintenant, il y a beaucoup de d'encodeurs, de... c'est un peu plus... je sais pas, c'est différent, tu vois. Je trouve que le rap, à l'ancienne, tu trichais pas. C'était vraiment... même Dre et 50, pour parler d'eux, parce qu'ils sont dans ce featuring, je trouve que, voilà, Dre et 50, ouais, Eminem, c'est des... Déjà, c'est des pointures de l'époque, déjà. T'es obligé, même actuellement, de connaître un de leurs sons. C'est obligé. Surtout si tu kiffes le rap. Donc, ouais, non. Je trouve que, vraiment, c'était... C'est con, c'est une phrase de vieux à dire que le rap, c'était mieux avant. Maintenant, le rap est bien, tu vois. Il y a des bons trucs et tout ça. Mais il y a un petit peu plus de brouillon. Il y a des trucs un peu plus... C'est différent. Je pense que faut évoluer un petit peu avec son temps pour aimer le rap de maintenant. Parce que si tu restes bloqué dans le rap d'avant, c'est clair que ça... Plus rien à voir. Mais il y a du bon. Il y avait du rap à l'ancienne aussi qui était tout pété, hein. On va pas se mentir. Oh là là, t'arrives chez les Chicanos. Donc là, le 213, c'est le code de Los Angeles. Ouais, c'est le code de Los Angeles avec les Chicanos et tout ça. Donc là, clairement, c'est le couplet de Monsieur Dr. Dre. Mais n'empêche, je coupe un petit peu. La première scène, en fait, d'Eminem, je l'ai pas trop comprise. Tu vois, je vais pas te mentir. En gros, le mec, il est ouf, il écrit les mots et tout ça, nanana. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez bien compris les paroles en anglais, que j'arrive pas à cerner le petit truc dans le clip? Mais j'ai pas trop compris. Ok, déjà, dans la bouteille, il y a les plusieurs plans. Ok, d'accord. Il zoom pour arriver dans la cellule du mec et tout ça. Là, ils ressortent. Là, on arrive dans le couplet de Dr. Dre. Je sais pas. On va voir. Oh ah non, 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 non. Mais Dre, putain. À l'époque, alors voilà, désolé pour les fans d'Eminem. Mais à l'époque, déjà, je kiffais plus Dre qu'Eminem. Eminem, j'aime bien. Hein, mais Dre, mon gars. Oh là 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 là. Ce timbre de voix, ce flow. Pouh. La Détroit, c'est Dre que je préfère. Clairement. Straight like sick of Dre, I'm an itch that they can't scratch, they sick of me. But hey, what else can I say? I love LA, cause over and above all, it's just another day. And this one be just another day. Et pour ceux qui kiffent les histoires comme ça, un petit peu à l'ancienne, de rappeurs et tout, N.W.A. Ce film magnifique, si tu veux voir un petit peu l'histoire avec Dre, Snoop, et justement ce groupe N.W.A. avec Ice Cube. Franchement, je le conseille clairement. Et prends avec les sous-titres, parce que les chansons, si tu comprends pas l'anglais, c'est très important. Quand t'entends fuck da police, tu comprends pourquoi ils le font et tout ça. Pff, une dinguerie. Pick up where we left off and get smashed again. I'll be damned. Just fucked around and crashed my Benz. Driving around with a smash. C'est vrai qu'il y avait les écouteurs beat là, c'était Dre qui avait sorti ça. Let's cash that one in. Grab another one from out the stable. The Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado. The hell if I know, do I want leather seats or vinyl? Decisions, decisions. Garage looks like precision collision. Or Mako, beats quake like Waco. Just keep the bass low, speakers away from your face though. So crack a bottle, let your body waddle. Alors 718, d'où il vient 50? 50, je sais même pas d'où il vient. C'est vrai que 50, je sais pas d'où il vient. Je croyais qu'il venait un petit peu de... Bah, je sais pas, en fait, en vrai. 718, faudrait que je regarde. Je sais pas du tout. Si vous savez, dites-le dans les commentaires, parce que je sais pas du tout d'où vient 50. Fifty cents. After bottle, the money ain't a thing.
when you party with me, it's what we into. It's simple. We ball out of control like you wouldn't believe. From the napalm, the bomb, the dawn, I'm King Kong, get rolled on. Le mec se compare à King Kong. Ah là là, 50 aussi, c'était un peu plus dansant et tout ça, nanana, mais les sons, oh là 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 là, sa voix et tout, c'est vrai que c'est unique, sa voix était unique quand il est arrivé et tout ça, avec son, comme quoi il s'était pris 9 balles, toute l'histoire qu'elle est avec, tout toute l'histoire, voilà, tout ce qui était monté autour de lui, franchement, ah putain, c'était une bonne époque. Et c'est différent maintenant, je trouve que maintenant, le rap de maintenant, on est au courant de tout, même aux États-Unis. On est au courant à la minute, limite, tu vois, dès que c'est tweeté, instagrammé, youtubé, je sais pas si ça se dit. Mais tu vois, on est vite au courant des choses. Avant, à l'époque, mon gars, moi, quand je voulais voir un clip vidéo, dis-toi qu'il n'y avait pas Internet, tu vois, je te parle de plus vieux que 2009, hein, tu vois. Gros, je devais attendre que, qu'un pote à moi aille aux États-Unis. C'était nos potes, ils faisaient ça. Ils allaient aux États-Unis, quand ils allaient dans l'hôtel, ils mettaient la cassette, la VHS à l'époque. Il enregistrait les clips de là-bas, il les ramenait. Il achetait les skeux d'en bas de la rue, hein, dans New York et tout ça. On a découvert des groupes comme Infamous Mob comme ça et tout ça. Franchement, c'était un délire. C'était différent, on galérait. Je me rappelle même que l'Allemagne était plus en avance que nous sur les sons et qu'on grattait même en Allemagne pour trouver des bons trucs. C'était dingue. Maintenant, c'est super rapide. Tu vois, là, le clip, il sort le jour même, la minute même, tu l'as. C'est trop stylé. Franchement, votre époque, les jeunes, elle est stylée. Je suis content d'en faire partie, hein. Mais franchement, c'est stylé. C'est... Ouais, je me répète, c'est stylé. Wrapped up and rained on, I'm so calm through Vietnam, bring the alarm, bring the Sean Don, burn marijuana, do what you want, nigga, own and own, to the brick of wood, get the paper, man, I'm taking, you know I don't give a fuck. Et je sais pas pourquoi ils se sont pas montrés dans ce clip, parce qu'on les voit pas du tout. Je sais pas. En tout cas, la partie de 50, il y a que des meufs. C'est que lui, c'était un mec à meuf. Bitch move. Eminem aussi, il a bien vieilli cet enfoiré. Beau gosse, hein. Bon voilà, clairement, le son est survalidé, mais déjà depuis des années. Le clip, je vais passer pour un con, hein, clairement, mais je l'ai pas compris. Tu vois, bon, on comprend les scènes, on comprend tout ça, mais je vois pas trop le délire. Alors, est-ce que ça va vraiment avec les paroles et que bah, j'ai vraiment compris que dalle et que voilà. Mais là, voilà, le SDF couvre la bouteille. Donc, ok, le son, c'est ouvre la bouteille. Et à l'intérieur, t'as Dre, Snoop, n'importe quoi. Et à l'intérieur, t'as Eminem, Dre et 50. Ok. Au final, à la fin, la bouteille se referme. Elle veut teaser, il n'y a que dalle, elle casse la bouteille, mais on voit qu'en fait, il en restait. Puisque... Donc bon, ça, ok. C'est assez particulier. Le clip est particulier. Après, il est bien. C'est un parti pris aussi de... Je sais pas pourquoi ils sont pas là. Est-ce qu'ils n'avaient pas le temps à l'époque? Est-ce que... Il y avait un désaccord et qu'ils voulaient pas montrer leur gueule, je sais pas, ensemble. Je sais pas. C'est vrai que moi, j'aime bien... je les aime bien, ces trois-là. Donc, j'aimerais bien les voir dans le clip. Bon, voilà. C'est pas mon clip préféré, ni de Eminem, ni de Dre, et ni de 50. Mais le son, c'est vraiment l'un de mes préférés d'Eminem, je crois. C'est vraiment un son que je kiffe fort. Bref, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que t'as pris le temps de liker et de t'abonner. Ça fait super plaisir. Votre soutien est important pour moi parce que c'est comme ça que j'évolue et c'est comme ça que ça me motive aussi à faire plus de vidéos, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que les commentaires aussi, bah, je peux discuter avec vous. Je réponds souvent aux commentaires, j'en ai pas des masses non plus, donc j'en profite maintenant. Parce qu'après, j'aurai des centaines de milliers d'abonnés, donc ce sera un petit peu plus compliqué.
En tout cas, voilà, mets dans les commentaires si t'as kiffé le son, si tu connais Eminem, si tu... quel est ton son préféré, je sais pas, viens, on discute. Pareil, j'ai Instagram, venez, on discute sur Instagram, je mets des stories, je parle avec vous, franchement, on se fait plaisir, on fait une petite communauté sympathico. Bref, voilà, je te retiens pas plus. Salut l'équipe.